9h. Manu à la radio. Bon les gars, s'il vous plaît, on cherche un homme frisé d'environ 1m90 qui fait rire les auditeurs avec des proutes. Il sévit tous les matins sur Fun Radio. Attention, il est très dangereux. Je veux tout le monde sur le coup. Grissoum, Horatio, je vous charge de récupérer les traces d'ADN sur ce caleçon. Oh non putain, c'est toujours nous qu'on fait ça, merde. Manu sur Fun Radio. La ligne anti-relou. La ligne anti-relou. Oh 06 34 62 26 28. C'est ce numéro de téléphone qu'il faut donner à tous les gros relous qui vous draguent. Ça peut se passer n'importe où. Le relou arrive, il vous drague. Il y a un moment, c'est fatidique, il vous demande votre numéro de portable. Vous lui donnez avec un grand sourire le 06 34 62 26 28. Il va croire que c'est le vôtre. Il va appeler, tomber sur un répondeur, il va laisser un message. Et là, il se fait piéger puisque ce n'est pas votre répondeur, mais le nôtre. Et les meilleurs messages, chaque jour, on les vous les fait écouter. Voici la QL relou de ce mercredi 23 juin. Ouais, salut Miss, c'est Carlito, je t'ai rencontré en boîte. J'étais un peu maladroit, je t'ai parlé d'une Anaïs, ma copine, mais je l'aime pas du tout. Et alors que toi, tu m'intéresses vachement, j'aimerais qu'on fasse un peu plus connaissance et tout. Alors, je te laisse ce message en espérant que tu me rappelles. Allez, bisous ma belle. Ça, c'est un homme, un mec qui a la classe. J'adore, il démarre en disant j'étais un peu maladroit, je t'ai parlé de ma copine, mais je l'aime pas du tout. C'est vrai que ça, c'est pas maladroit, c'est hyper gentleman. Et que la meuf va rappeler direct, y a pas de souci. Mais ça arrive parfois, tu discutes et puis tu parles d'un ex ou d'une ex avec qui c'est pas complètement terminé, puis après tu t'aperçois que t'as fait un peu la boulette. Ouais. Non. Non, d'accord. Quand tu essayes de sauter une fille, tu lui parles pas des filles de la fille que t'es en train de sauter, c'est mieux. D'accord, mais moi je ne veux pas sauter les filles, moi je n'ai jamais été comme et ça. Mais tu dragues plus toi, c'est fini. Ah ben moi j'ai terminé, mais je te parle de mon époque avant de connaître ma petite femme. Mmh. Avant je ne voulais pas sauter, je voulais discuter, parler. T'es pas crédible. Voir exactement ce qu'il y avait à l'intérieur de la chatte. Deuxième relou du jour. Le bureau de la vie scolaire, je vous informe que cet après-midi, en première heure de SVT, votre enfant Mathieu a été exclu de cours. Donc si vous avez besoin de renseignements, rappelez au collège le bureau de la vie scolaire. Merci. Non, ce n'est pas bien. Quelqu'un s'est servi du numéro de téléphone de la ligne anti-relou pour faire croire que c'était le numéro de ses parents et le lycée à appeler, ce n'est pas bien. En tout cas, je comprends bien pourquoi ça s'appelle le bureau de la vie scolaire et pas le bureau de la fête et de la bonne humeur. Si, je comprends. Tu rigoles ou quoi? Le mec, il fêtait un anniversaire, écoute. Ah. Tu l'écoutes bien, écoute. Ouais. Le bureau de la vie scolaire, je vous informe que cet après-midi, en première heure de SVT, votre enfant Mathieu est exclu de cours. Et tu sens que la fête monte là. Si vous avez besoin de il y a David Guetta qui va mixer derrière. 8h43, la ligne anti-relou reviendra dès demain à la même heure. Dans un instant, Antoine Clamaran. Et les frères Bogdanov seront avec nous au 32-28. A tout de suite.